Netflix qui va se mettre au gaming. On avait déjà eu la news vite fait. Il y avait eu vite fait quelques petits leaks qui nous indiquaient que Netflix était intéressé dans le fait de faire du gaming. Et ça y est, c'est annoncé dans une lettre à ses investisseurs. Netflix explique exactement, dans des termes très clairs, qu'ils vont se mettre aux jeux vidéo, juste à côté des films et des séries. Donc en gros, voilà, ils expliquent qu'ils ont déjà une expérience dans les contenus interactifs avec Black Mirror, Bandersnatch, on se souvient, l'épisode interactif, et leur jeu Stranger Things. Et ils voient le gaming comme une nouvelle catégorie de contenu pour eux, un petit peu comme quand ils se sont mis à faire des films originaux et des films d'animation, etc. C'est une nouvelle catégorie de contenu dans laquelle Netflix va se lancer. Et les jeux seront inclus dans l'abonnement Netflix sans coût supplémentaire. Et ça, c'est stylé. Vous pouvez s'imaginer un petit... un petit 2 balles par mois supplémentaire pour jouer au jeu Netflix. Eh bien non, ce sera gratuit si vous êtes abonné à Netflix. Ce sera en cloud gaming, absolument. Ce sera streamé dans votre navigateur internet et vous aurez accès au jeu directement, comme vous lancez un film ou autre chose. Ils se lancent dans des jeux et ce sera des jeux a priori dans les univers de Netflix qu'on connaît, dans les séries et les films Netflix originaux qu'on connaît. J'ai hâte, je vous le dis, du MMORPG Marseille. Je sais pas si vous vous souvenez de cette série Netflix absolument insane ou du FPS avec Omar Sy. Pour l'instant, la news, c'est que ça. Mais je voulais savoir ce que vous en pensiez. Moi, je pense que c'est excellent. Déjà parce qu'on sait que le cross-média, ça marche. Donc, le cross-média, ce côté faire du contenu sur un média, puis sur un autre avec la même licence, faire un film, un livre, etc., on sait que ça fonctionne. Et là, le fait d'avoir des jeux vidéo dans les univers de Netflix qui sont vraiment cool, parce que Netflix a un univers étendu vraiment énorme, c'est vraiment très, 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 très stylé. Ça ouvre la porte à des jeux et à des expériences vraiment cool que j'ai vraiment hâte de tester. Qu'est-ce que vous préféreriez, vous, avoir comme licence? Un Battle Royale Breaking Bad? Je suis curieux de savoir si Netflix va faire du jeu vidéo à la Stadia ou alors que du jeu mobile en download dans l'app. A priori, ce sera à la Stadia. De ce qu'on sait pour l'instant, ça va être vraiment du cloud gaming. Ça arrive quand? Je pense qu'il faut pas y attendre avant fin de l'année au plus tôt. Mais ça va sûrement être l'année prochaine. Ça va être des jeux à la Apple Arcade, je pense, et ça permettra de faire connaître le cloud gaming à des gens qui seraient pas intéressés si Netflix ne l'aurait pas fait. Je pense personnellement que ça va être des jeux un peu plus artistiques que ça. Ça va pas être des jeux genre jeux mobiles à la con. Je pense que ça va être des jeux plus au début dans le sens de Bandersnatch en mode petite histoire interactive, etc. Et je pense qu'ils vont y arriver. Je pense qu'ils vont faire un truc stylé. Les films et les séries en licence jeux vidéo, ça marche pas top. Je suis d'accord. Et je pense que c'est armé de cette expérience qui peut faire un truc bien. Regardez Bandersnatch, hein. Techniquement, c'était un jeu vidéo. Et c'était super. Je pense qu'ils savent très bien. En fait, je pense qu'ils n'ont pas envie d'être... Ils n'ont pas envie d'être Kung Fu Panda sur Xbox 360. Vous avez connu ça? C'est un jeu que j'avais fumé quand j'étais ado. Je le connais par cœur. Je le speedrunnais quand j'étais ado, ce jeu. Enfin, voilà. Netflix lance ses jeux vidéo. Je pense qu'ils ont de quoi faire des expériences stylées et vraiment artistiques et pas juste du jeu à licence à la con. À voir. En tout cas, ce qui est bien, c'est que ce sera gratuit si vous êtes abonné Netflix, et ça, c'est cool. Abonnez-vous à Hardisk TV. Hardisk.